Coucou, bon ben on a été faire un petit tour. À la base, on avait besoin de rien, mais comme d'hab. Mais en fait, mamie, t'as du papier crépon? Et ben non, mamie n'avait pas de papier crépon. Alors j'étais obligée de lui dire, ben, on va sortir parce que j'ai besoin de papier crépon. Pourquoi faire? En fait, sur Instagram, j'ai eu une demande pour savoir comment faire parce que j'ai fait des tutos, un tuto que vous appréciez beaucoup pour faire des grosses roses en papier crépon, mais on m'a demandé comment on fait pour faire des petites roses en papier crépon. Moi-même, j'en ai jamais fait. Voilà. Donc, je voulais faire quelques essais, puisque moi, je sais faire que des grosses sur à peu près cette taille-là, quoi. Donc, pour mettre sur une carte, c'est pas génial. Donc, j'ai été voir chez notre ami Action s'il y avait du papier crépon, et j'en ai trouvé, mais pas que. Donc voilà, à côté du Action, enfin pas très loin, il y a un Zeman, Zeman, Zeman. Et bah, je sais que ma fille recherchait de la laine. Donc bah, gentille maman, hein, elle est allée chercher de la laine. Parce qu'elle veut se faire un pull assez costaud, enfin assez large, avec des grandes manches assez larges et tout ça. Donc chez Zeman, je sais que, ou Zeman, pardon, je sais qu'il y a de la laine pas très très chère. Et celle-ci, franchement, la Julia, là. Elle est à 1,49 €. C'est une pelote de 100 grammes. Et elle se tricote en 7-8 pour les aiguilles ou 6-7 pour le crochet. Bon, on va dire elle se tricote en 7, quoi. Hein, on va faire le moitié. Et ils disent... Attendez, j'ai pas mis mes lunettes. C'est très tout petit. Je crois qu'ils disent que pour faire un pull, il en faut 600 grammes. Bon, elle est toute menue comme ça. J'en ai pris 700 grammes. J'ai pris 7 pelotes de Julia comme ça, mais elle est elle, franchement, elle a l'air très très agréable à toucher, non pas à toucher, à tricoter. Et puis bah, pendant que maman y était, bah, maman elle a demandé si elle voulait pas autre chose. Elle m'a dit non, c'est bon. Et puis j'ai dit t'es sûre? Et puis j'ai envoyé en photo les laines que je me suis dit qu'elle devrait aimer. Et cette couleur là en plus, la royale elle est moins chère, elle est moins épaisse hein, quand même. La royale elle se tricote en 5, on va dire, et celle-là elle se tricote en 7. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence. Celle-là elle est un peu plus vaporeuse et tout, elle est plus jolie, mais je sais que ces couleurs-là elle aime aussi. Hein. Vous voyez, ça c'est vraiment ses couleurs. Et bah, j'en ai pris 7 comme ça aussi de la Royale. Celle-là 99 centimes, et celle-là 1 euro. J'ai dit combien? 99, mais c'est pas la même qualité quand même. Hein. Alors peut-être qu'on va me demander. Toc toc toc. 100% acrylique. Ah, 80% acrylique, celle-là, et 20% de laine. Mais au toucher, on sent que c'est pas la même. Donc je lui en ai pris 7 de chaque. Et puis quand elle est venue à la maison, elle m'a piqué mon maître ruban. J'en ai plusieurs, elle m'a dit j'en ai pas, je peux le prendre. Et j'ai vu ce petit maître ruban-là chez Zeman à 89 centimes. Je vais lui glisser dans son colis. Ça lui fera plaisir. Voilà. Donc, on a pris ça. Et chez Zeman, on a trouvé. Il y avait d'autres couleurs, mais il n'y avait que celle-là qui nous intéressait. Du foil. Voilà. Il y a un petit stylo. Alors, je ne sais absolument pas m'en servir. Et selon le mode d'emploi derrière, j'ai pas tout compris en fait. Oui, pas très intelligente. Je pense qu'il faut écrire avec le petit stylo qui est là, ici. Alors je sais pas pourquoi ils nous l'ont mis en trois fois, bon bref. Et ensuite on a l'impression qu'ici il faut passer un pinceau. Alors est-ce qu'il faut mettre un peu d'eau? Est-ce que, si vous savez, hein, aidez-moi. Donc j'en ai pris un paquet pour moi, un paquet pour mamie, bien sûr, parce que. Non, mamie a s'est pris son paquet. Bah oui, non, non, mais non, laissez tomber. Je raconte des bêtises. Donc, bah on dirait, ou alors c'est de la colle. Je sais pas ce que c'est. À mon avis, il faut le percer. Ouais, à mon avis, il faut percer le bout, je crois. Je sais pas du tout. Bah, ça ne sent rien. Et ça ne coule pas. Alors, je vais pas être. Peut-être qu'il faut. Bon, je sais pas. Je ferai un test avec vous. On verra bien. Hein. Voilà, on fera un test ensemble.
pour le foil. Alors, dites-moi si c'est bien ça, s'il faut mettre un peu de ça ou un peu de colle et un peu d'eau et je sais pas. Voilà, ils disent mettre un coup de pinceau. Là, c'est le... Je sors. Ça, il y a ça. Il y a marqué Craft Universe. Là, voilà, il le montre ici. Après, il me passe un petit coup de pinceau. Après, il passe le foil. Après, hop, hop, hop. Enfin, il n'y a pas de papier mode d'emploi à l'intérieur. Donc, à l'aide. À l'aide, les filles. Ou je chercherai peut-être que sur YouTube, il y a un tuto. Donc, chez Eman, c'est 1,99€. Voilà. Un pour chacune. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris chez... Non, si j'ai pris... On a pris d'autres trucs pour faire un petit cadeau. Mais j'ai pas envie de vous le montrer là. Parce que j'ai pas envie que la personne voit. Sinon, ça va gâcher la surprise. Voilà. Également, j'ai trouvé ces stickers-là. Que je trouvais tellement mignons. Mais je sais que moi, je vais pas les utiliser. Bah, pourquoi tu les as pris? Non, c'est pour glisser dans le colis de Margot. Voilà. Et bah ça, elle pourra mettre ça dans son agenda. Je sais qu'elle aime les petites fleurs comme ça. Enfin, voilà. C'est mignon. Ça ne sera pas perdu. Hop, voilà. Voilà, plein de petits trucs sympas. Donc ça, c'est pour Margot. Donc, au niveau papier crépon, bah voilà, j'ai pris celui-là. Il y avait un autre, d'autres couleurs aussi, je crois, avec du jaune, des, tout ça. Mais là, bah, il y avait un rose pâle. Donc, pour faire des fleurs, ça va beaucoup mieux m'inspirer que si c'était du rouge, bleu, des couleurs primaires comme ça, là. Hein, forcément. Et chez Axo, eh ben, j'ai vu ça. Et ça, je l'ai vu passer dans 10 000 hauls. Hein, je m'en suis jamais inquiétée, je m'en suis jamais intéressée. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça m'intéresse. Voilà, donc il y avait ça, ces deux couleurs là. Enfin, il y avait plusieurs couleurs, mais en regardant les couleurs, moi vous savez, j'aime bien mettre du doré. Et puis il y avait le rose, voilà, c'est des couleurs que je suis susceptible d'utiliser. Ça servait à rien que je prenne du bleu, du vert et du orange, j'utilise pas. Donc c'est 5 fois foil art, 1 mètre. Alors, je sais pas si c'est 5 fois 1 mètre ou si c'est 5 mètres au total. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 1 mètre dans ces petits rouleaux. Oh, ça serait bien pourtant. Bon, je sais pas. Ah, bah, Craft Universe. Ah, c'est très, très étrange. Si regardez, là, il y a marqué Craft Universe. Et là, il y a marqué, ça c'est ceux de chez Eman, il y a marqué Craft Universe. Et ouais. Donc ça vient du même endroit. À Action, ils sont à 1,59€, mais il n'y a pas le petit stylo de colle. Je pense que c'est de la colle, je ne sais pas. Donc il y a une petite différence de prix, à voir s'il y a une différence de qualité, je ne sais pas. Ouais, là il y a 5 fois, bah, c'est pareil, hein, 5 fois 1 mètre. Voilà, c'est la même chose. 5 fois 1 mètre, sauf qu'il n'y a pas le petit crayon. Voilà, et j'ai pris celui-ci aussi parce que bah, il m'appelait. Il m'a dit, mais il me laisse pas tout seul. Donc je l'ai pris. Et voilà, c'est du rose gold. Voilà, bah, c'est marqué dessus. Hein, comme le. Hein. Voilà. Bon, j'ai pris pour Margot, mais j'ai pris pour Camille aussi. L'autre jour, ça fait plusieurs fois qu'on va dans les actions et on ne trouve pas de Cheetos. Là, j'ai trouvé des Cheetos. Elle arrive demain matin. Demain, samedi. 29 mai. Oui, c'est ça, 29 mai. Donc, je lui en ai pris. Parce que ça fait... mon Dieu, ça fait 4 jours que je ne l'ai pas vu. la dernière fois, on avait acheté un petit paquet de bonbons comme ça pour Camille. Mais ils ont disparu. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ils ont disparu. Donc, bon, bah, je les ai rachetés. Ça, c'est au cas où. Ça c'est au cas où hein. Non parce que à mamie je lui utilise tout son matos donc faut bien que je le remplace un petit peu. Non mais c'est vrai, là c'est du 3D, là c'est du simple. Au pire on servira pour faire des shakers aussi, on a prévu. Oh, j'ai pas regardé s'il y avait des sequins, c'est pas grave. Ça j'ai pris ça pour mamie parce que je sais qu'elle va les utiliser, vous verrez bien pourquoi.
Il y a 5 petits sachets d'organza. Ils sont vachement mignons, avec un gros nœud. Heureusement que Camille, elle arrive, hein, comme ça, elle va m'aider à tout reporter pour repartir. Non, mais je vais laisser des trucs ici pour le mois d'août. Hein. Voilà, un gros nœud en satin, rose comme ça. Et c'est des sachets qui sont, je trouve, un petit peu plus gros que d'habitude. Il n'y a pas les centimètres. Mais c'est pas grave. Bon, vous voyez, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Tac. Ouais, hein. Pas besoin de vous faire un dessin. J'ai pris ça puisque j'ai l'encre, vous savez, le pad de toutes les couleurs, là, arc-en-ciel en forme de marguerite. Mais j'avais pas de ça. Je me suis dit peut-être qu'il y en aura besoin. Si j'en ai pas besoin là, j'en aurai besoin cet été. Donc ça, c'est pas perdu. Ça sert toujours. Bon, j'ai repris de la colle. Parce que là, mamie est en train de faire un truc. École, école, école. Hein. Croyez-moi, école. C'est mamie colle. C'est mamie colle, oui, c'est pas pour rien. Donc celle-là, elle l'aime bien en ce moment. Donc, mais j'en ai donc repris deux. Oui, parce que mamie m'a emmenée. Mais j'ai été toute seule chez Action parce que mamie faisait autre chose pendant ce temps-là. Donc j'y suis allée vite fait. Et vite fait, j'ai quand même trouvé tout ça. Hein. Bref. Et moi j'aime bien celle-là. Et comme je lui ai déjà liquidé deux fonds, parce qu'elle en avait des autres là, avec le bouchon bleu, mais c'est à peu près la même. Je lui ai liquidé deux fonds de bouteille. Ben voilà, il y en aura. Ensuite, alors on avait un projet, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de le faire. C'est pas grave, il me fallait de la colle à bois pour faire quelque chose. Et bah, c'est pas grave, on le fera cet été, c'est pas perdu. C'est pas... Ah, il y a un petit message. Deux petits messages. Et la colle à bois, on en a besoin pour un truc à faire. Et bah, au pire, on l'aura déjà pour cet été, au mois d'août. Parce que bah, là, on va être bientôt début juin, moi, dans 2 mois je reviens. Donc hein, c'est pas si long. Une fois qu'on a attendu 6 mois avant de se voir, bah finalement 2 mois ça va passer vite. Et alors ça, on a découvert ça. On en avait acheté au premier hall de Neufchâtel. Quand on est passé à Ferrières, j'en ai repris. Et là, bah, je les ai vus, j'en ai repris. Moi j'adore celui-là avec un petit goût de... noix de coco. Et mamie, elle aime bien celui-là avec un petit goût de mojito. C'est 0% d'alcool, c'est trop bien. Et on en a pris deux chacune. Et voilà. Encore un haul Action. Je pense que c'est le dernier des vacances. Hein. On va pas abuser non plus. Là, je pense qu'on a fait fort déjà. Hein. On a fait très très fort. La petite boisson, là, c'est 59 centimes. Voilà. Au niveau des prix, je sais pas ce que je pourrais vous donner. Vous voulez peut-être savoir le prix du papier crépon, non? Les autocollants là pour Margot, 99 centimes. Les Cheetos, 1,14. Le petit sac Kaba, oui, bah oui, parce que forcément, à chaque fois, j'avais un sac dans mon sac à main. Mais le sac, je l'ai utilisé pour mettre la laine. Et du coup, quand je suis partie chez Action, bah, j'avais plus de sac, donc j'ai racheté un sac. Non, mais des sacs comme ça, on doit en avoir 50. Papier crépon. Oh oui, oui, ça ne volait pas. À la base, j'y allais que pour ça. Normalement, je ne devais dépenser que 1,09€. Puisque le set de papier crépon, c'est 1,09€. Mais du coup, au final, j'en ai dépensé pour 24€. Bref. Hein, c'est pas grave. Je vous fais, bah, vu qu'on va pas au resto, on sort pas, nous on se maquille pas, c'est notre plaisir à nous, hein, voilà. Et je vous laisse parce que mamie m'attend pour faire le tiramisu. Je pense que vous l'aurez déjà vu en vidéo sur la chaîne de mamie quand vous verrez ce haul. Puisque là je pense qu'il va être programmé, pouf, au mois de juin. Bah j'ai plus de place. On dirait, vous savez, les... J'ai un carnet où j'ai noté, enfin le carnet je l'ai laissé à la maison, mais là j'ai renoté mes vidéos que j'ai programmées pour savoir. Et on dirait un vrai carnet de, tu sais, de coiffeuse, de docteur ou de je ne sais quoi pour prendre un rendez-vous. Alors il me reste de la place le 6 juin à 17h. Non mais bon, je suis contente de bien avancer.
J'ai deux, trois petits projets que je compte finir ici pour pouvoir les enregistrer ici, pour pouvoir vous les proposer. Bah, du coup, ça sera mi-juin. Voilà, donc ça sera en décalé. Enfin, franchement, j'aime beaucoup mon organisation que j'ai là parce que ça, c'est pas stressant. Du coup, c'est que de l'avance et c'est bien. Je ne vois pas pourquoi je vous parle de ça dans un haut l'action. Mais bon, vous savez, moi, je pars dans tous les sens. C'est pas grave. Je vous fais des bisous. Je vous laisse parce que j'ai un tiramisu à faire avec mamie. Un tiramisu à la fraise et à l'amaretto. Ça va être bon. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.